Vous filmez une Renault Captur qui a la caméra de recul. Très bien. Et elle a plusieurs modes de conduite. Alors, est-ce que tu veux qu'on la méthode économique ou la méthode sport? Un petit peu plus sport. Un petit peu plus sport. Un petit peu plus sport. Voilà, je coupe l'écho. Voilà. Et mais pour avant de s'amuser un petit peu, il faut attendre que le moteur soit vraiment bien chaud. Ouais, ouais. Ok. Ouais. On va rouler tranquille, peinard, pendant 5-6 ouais, kilomètres. Ouais. Je connais. Voilà. Elle roule très bien. Oui, on entend que c'est le mode sport. Hein. Et on entend que c'est le mode sport. Mais ça c'est... Attends encore 5 petites minutes que le moteur soit bien chaud, qu'il n'y ait pas d'appareil photographique sur la route aussi. Voilà, tu vois, ça c'est le radar. Le radar qui est signalé sur sur l'écran. Et moi j'aime bien cet écran là. Si tu veux, je peux le mettre plus grand. Là, c'est quand tu roules à l'économie, ça devient vert. Voilà, tu vois, ça change de couleur, ouais. Ça passe au vert. Là, c'est parce que tu consommes peu. Ouais. Dans la côte, là-bas plus loin, je vais accélérer. Tu vas voir que ça va évidemment changer des couleurs. Et quand ça devient rouge, rouge, c'est qu'il est temps de changer. Voilà, tu vois, j'accélère. Et c'est une quelle année celle-là? C'est un modèle 2019 ceci. Ah, c'est déjà la 2019. Et maintenant si tu en achètes une, c'est le modèle 2020. Voilà, là tu vois j'accélère. Et c'est quel moteur que tu me disais? Si c'est un 130 chevaux que tu as là. C'est quand même gaffe. Là, je ne suis qu'en quatrième alors que j'ai 6 vitesses. Hein. Tu vois, ça redevient vert. Ouais, conduire. Elle est très très agréable à conduire. Moi qui viens de diesel, ici c'est un moteur à essence, comme tu l'as dit, c'est un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Ouais. Là, on se fait plaisir. Oh, il y a de quoi s'amuser. Hein. Ouais. Et moi, je me sens bien dedans. Tu te sens bien dedans aussi? Ouais. Et à l'arrière, il y a encore relativement bien de la place pour... des personnes pas trop grandes quand même. Montre un peu l'arrière. Je filme l'arrière. Et moi je le trouve bien l'écran. Tu le vois bien. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Et là, tu vois, j'ai oublié de prendre mon téléphone et c'est pour ça que tu as là l'écran avec le téléphone rouge. Autrement, je suis branché direct par Bluetooth. Ouais, ça c'est bien. 525 km là maintenant, la voiture. C'est le rangement aussi. Oui, hein. Alors, regarde ici devant. Attends, il faudra que je sache comment on fait. Attends, ça on le fera à l'arrêt parce que... Là-bas, tu as un beau vide-poche et ça s'ouvre comme un tiroir. Voilà, tu vois? Ouais. Comme dans la... Scénic. Ouais. Ouais. C'est ça. Tout se fait automatiquement, c'est la carte. Si je veux, je peux la mettre ici dedans. Voilà, mais... C'est même pas nécessaire.
aussi pour la farder. Quand elle est plate, tu peux. Oui. Ça oui. La recharge quand on la met là-dedans. Oui, je pense. Ok. Ou quand elle est plate, tu sais quand même démarrer, quoi. Ouais. Tu la mets là-dedans et voilà. C'est parti. Là au-dessus, t'as aussi un rangement. Oui. Là. Voilà. Alors c'est pour mettre tes lunettes de soleil ou quoi, hein. En restant dans les limites autorisées, bien entendu. Bien entendu. Appuyez. Tu sens de suite, Martin, que elle répond bien. Oui, même pour le passager, c'est agréable, ça. Sur les petits chemins, elle est maniable. Hein. Très maniable. Très. Et j'imagine que tu as un régulateur de vitesse. Régulateur de vitesse, un limitateur de vitesse aussi. Voilà, je vais aller ouvrir. Ouais. Parce que là, j'ai besoin. Je vais filmer quand tu... On le verra pas. T'inquiète. Oui, on va pas filmer le code. On le verra pas vu qu'il est devant. Non, non, de toute façon c'est trop. Là, je vais arrêter quand la porte s'ouvre. Ouais. Non, suite au prochain épisode, surprise.